6, no muevan la camioneta. 3, 1, 2, 3. Máximo 3. Se viene hacia acá, güey. ¡Ay, güey! Se viene para acá. Ay, ay, cállense, no muevan. No muevan. Yeah, you see? Leur hardiesse coupe le souffle, ils sont de retour. Les objets inconnus concentrent leurs activités près des grands volcans. L'Istachatil, la femme endormie, le mont Popocatépetl, la sentinelle endormie, qui sont sur le point de se réveiller. Ils sont restés immobiles au-dessus de Puebla, provoquant l'état d'alerte OVNI dans la quatrième ville du Mexique. Le spectacle aérien qui a lieu chaque nuit se déplace vers le nord-ouest, au-dessus de la plus grande agglomération urbaine du monde, la ville de Mexico. Dans un petit village endormi au nord de la ville de Mexico, les aboiements des chiens attirent l'attention d'un homme et de son fils, qui pénètrent dans la nuit pour voir de quoi il s'agit. Ils voient un engin stationnaire silencieux au-dessus des lumières de la rue. Ils braquent leur caméscope et font un zoom. Cet engin inconnu était différent de ceux qu'on avait vus jusque-là. Un seul anneau de lumière autour d'une coque invisible. Les Mexicains commencent à prendre l'habitude de voir d'étranges objets au-dessus de leur ville. Comme cet engin bizarre, pris en vidéo par Arturo Diez Solano à 10h, un jour du mois de mai 1992. Les deux images ont été projetées côte à côte sur un écran double pour pouvoir les comparer. S'agit-il d'images vidéo du même engin? Ou s'agit-il de deux objets similaires opérant dans la même zone? Chaque nouvelle séquence vidéo suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Une fois encore, les objets inconnus attirent l'attention de la population de Mexico et des médias en intensifiant leur présence au-dessus de la ville de Mexico en juin 1992. Les observations enregistrées sur caméscope l'après-midi deviennent chose courante.
À certains moments, leurs caractéristiques de vol défient toute logique ainsi que les lois de la physique moderne. Parfois, ils se promènent tranquillement le long des corridors aériens au-dessus de cette immense métropole, montrant leurs prouesses aériennes comme s'il s'agissait d'un jeu de cache-cache parmi les nuages. Une fois de plus, en temps réel. Parfois, ils descendent en rase-motte. On peut apercevoir le reflet du soleil de l'après-midi. C'est pourquoi les anciens Romains les appelaient les boucliers volants. Le lundi 1er juin, cet objet volant non identifié, un OVNI, traverse la vallée d'Ajusco, près des centrales électriques et des lignes haute tension. Non loin de là, un autre OVNI passe en rase-motte au-dessus des toits du barrio, faisant de ce jour une date historique en matière d'OVNI, avec deux bandes vidéo et cinq photographies 35 mm prises par quatre personnes dans quatre endroits différents de ce vaste pays. Un jeune artiste, Hector Carranza, filme en 35 mm ses photographies très spectaculaires d'un objet en forme de disque. Dans une région connue sous le nom de Las Layas, près de la ville de Santiago, Tehuantepec, on est venu assister à une course automobile sur le circuit local. Dans le fond des forêts, de nombreuses personnes ont vu et raconté avoir vu un disque argenté se dirigeant vers les arbres. C'était un dimanche, le 22 mars 1992, et il y avait de nombreux témoins. Il faisait chaud, pas un nuage dans le ciel. Entre 20h30 et 21h, les témoins racontent avoir vu trois lumières de couleur qui allaient et venaient dans un mouvement horizontal et qui, en outre, montait verticalement dans le ciel d'une manière qui aurait été impossible pour un avion ou un hélicoptère. Après 20 ou 30 minutes, les lumières ont disparu en direction de la forêt. C'est ainsi que les ont décrites ceux qui regardaient à la jumelle, ce qui n'était pas mon cas. Huit mois auparavant, au cours de la deuxième vague d'activité OVNI, centrée sur le cœur de la zone volcanique, un professeur d'université prend cette incroyable photographie d'un objet non identifié qui semble être doté de lumière, avec des hublots tout autour de la structure. Le dessin du jeune artiste prend une nouvelle signification,
Les similitudes sont extraordinaires. La deuxième photographie, celle de gauche, a été prise au même moment dans la même région du Mexique. Au cours d'une opération anti-drogue, le commandant de police Larios Cruz photographie ce qu'il croit être un DC-3 volant à basse altitude. Prises à différentes dates, ces photographies d'objets apparemment solides réfutent les aberrations généralement attribuées aux observations d'OVNI. Quelque chose qui dépasse la compréhension de l'homme opère de façon ouverte dans l'espace aérien mexicain. Ce défilé d'OVNI s'intensifie au-dessus de la ville de Mexico au cours du mois de juin 1992. Les habitants, encouragés par une presse sans préjugés et des programmes de radio et de télévision de grande écoute, scrutent le ciel de leur caméscope avec des résultats incroyables. Le 12 juin, un objet inconnu est repéré volant en direction du nord-est. Là encore, l'objet vole de façon très étrange, comme nous l'avons déjà vu. Il s'arrête net, se retourne et poursuit son chemin. De nouveaux groupes d'observateurs avec jumelles et caméscopes attendent dans l'angoisse le déroulement de cette extraordinaire histoire autour d'un homme très patient qui fournit énormément de séquences vidéo exceptionnelles. Il passe ses pauses de l'après-midi sur le toit d'un immeuble de bureau, d'où il scrute le ciel pollué de la ville à la recherche souvent couronnée de succès des caractéristiques de vol très particulières des objets non identifiés. La vigilance et la bonne vue de Demetrio Feria vont être récompensées. Dès la fin juin, il a en main 9 bandes vidéo des objets non identifiés. Dans cet extrait tourné le 25 juin, l'objet non identifié semble tourner sur 90 degrés. Remarquez le dessus de l'objet qui passe du blanc au noir pendant son mouvement rapide dans le ciel nuageux. Deux jours plus tard, le 27 juin, l'OVNI se montre de nouveau au-dessus de la ville de Mexico. Puis le lendemain, et encore le surlendemain. Juin 1992 fut un mois spectaculaire, à la fois pour les observations et les enregistrements vidéo. Avec 14 bandes vidéo et 4 photographies 35 mm, le mois de juin 1992 est le deuxième mois le plus prolifique des manifestations aériennes au-dessus de la capitale du Mexique. Les ovnis au-dessus de Mexico sont en train de prendre une place à part dans l'histoire de l'ufologie. Mais pourquoi le Mexique? Pourquoi maintenant? Pour trouver la réponse à ces questions, il nous faut remonter en arrière au 11 juillet 1991 et réexaminer une prophétie formulée il y a 1200 ans. En l'an 755 de notre ère, les prêtres mayas nous léguèrent un message prophétique trouvé dans le Codex de Dresde, l'un des textes qui nous reste de la grande époque maya. La prophétie annonce qu'un nouveau soleil, un soleil tigre, naîtra le 11 juillet 1991. Ce soleil, qui pour les astronomes modernes est une éclipse de soleil, annoncera deux événements qui changeront la vie de l'humanité. Des modifications de la Terre et une conscience cosmique résultant de rencontres avec les maîtres des étoiles. Au sud de la ville de Mexico, dans la Zona Volcanica, sur les pentes du mont Popocatépetl, une équipe d'alpinistes remarque une lumière brillante d'origine inexpliquée.
ils envoient un message radio à leur camp de base. C'est la première observation de cette journée historique. Sur tout le parcours de l'éclipse, les scientifiques règlent leurs instruments au fur et à mesure que l'heure de l'éclipse approche. La population de cette immense ville se prépare pour cet événement cosmique, objet de la prophétie de leurs ancêtres. C'est le sixième soleil, le soleil de Quetzalcoatl, le dieu légendaire qui avait fait le vœu de revenir. La légende du sixième soleil, le nouveau soleil annoncé par la grande éclipse qui vient d'avoir lieu, parle d'une ouverture de connaissances. Le sixième soleil indique précisément le moment de cette venue. Les visiteurs du temps sont ponctuels. Le 11 juillet 1991, alors que toute la population de Mexico regarde vers le ciel, la première vague apparaît dans de beaux chariots argentés qui réfléchissent la lumière du soleil. Précisément au moment culminant de l'éclipse solaire, un engin en forme de disque apparaît dans le ciel de la ville, restant en sustentation pendant 30 minutes. 17 personnes au sol filment l'objet sur caméscope. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de l'ufologie. Grâce au caméscope, les événements du 11 juillet déclenchent la vague d'émotions populaires la mieux documentée en matière d'OVNI. Jaime Maussan, l'un des journalistes les plus respectés de la télévision mexicaine, anime la version mexicaine de l'émission 60 minutes. Jaime fut si intrigué par les événements et par les images vidéo qu'il fit appel pour étudier ces engins mystérieux aux moyens électroniques de pointe de la station de télévision pour procéder à un agrandissement numérique. Il s'agit d'un objet solide, apparemment métallique, qui semble suspendu en l'air, et il n'y a rien d'autre. On a vérifié la présence de ballons dans la région. Il n'y avait ni ballons ni hélicoptères au-dessus de la ville, ou quoi que ce soit d'autre. Nous pensons qu'il s'agit d'un phénomène majeur, puisqu'il est intervenu au cours d'une éclipse totale du Soleil, la plus importante du siècle. Dans les studios de la Televisa, on procède à une analyse comparative des 6 meilleures vidéos prises au cours de l'éclipse solaire. On trouve chaque fois des objets métalliques en forme de disque qui renvoient la lumière du Soleil. Les maîtres des étoiles n'auraient pas pu mieux calculer leur coût. À un moment où tous les yeux sont tournés vers le ciel, 17 personnes différentes dans différents quartiers de la ville de Mexico ont filmé l'objet en vidéo. Une soucoupe volante classique suspendue en l'air flotte, tourne peut-être sur elle-même. Dans la ville de Puebla, à 140 km au sud-est de la capitale, 3 bandes vidéo ont été tournées au cours de l'éclipse. Chacune possède ses propres caractéristiques. Dans cet extrait, tourné par Rafael González, on aperçoit un vaisseau quittant l'écran à droite du soleil pendant l'éclipse. Tandis que Rafael tourne sa caméra vers la gauche, son attention est attirée par un objet brillant et 2 autres objets dans le fond. Avec l'arrêt sur image, nous voyons clairement ces 3 objets inconnus. Mais surtout, il est certain que le plus brillant des 3 ne peut pas être une étoile, car derrière lui, nous voyons passer des nuages. Pendant les applaudissements de la foule, le docteur Quatley tourne le 2e extrait de sa bande vidéo dans le ciel de Puebla. Encore une fois, les objets brillants semblent se situer devant le fond nuageux. Entre-temps, au centre de la ville, la famille Breton a la surprise de voir plus qu'elle n'attendait, comme le montre cette séquence vidéo. Ce disque argenté fut enregistré à 13h22, à 140 km environ du lieu où M. Arreguin a pris au même moment des images semblables. L'écran double permet la comparaison des images tournées par M. Arreguin dans la ville de Mexico et par M. Breton à Puebla. Les 2 engins sont de même dimension et de même forme. Oaxaca, à 500 km environ au sud-est de Mexico,
fut la troisième ville où l'on a enregistré sur vidéo des ovnis pendant l'éclipse solaire. Le docteur Irv Trujillo tourne cette séquence une minute avant l'éclipse totale. Les défauts de la vidéo proviennent de la bande originale. Il est 13h30 et le soleil est en pleine éclipse. 6 minutes après l'éclipse totale, l'objet inconnu est encore clairement visible en plein jour. L'horloge du caméscope indique que l'objet est resté immobile au-dessus de Oaxaca pendant au moins 8 minutes. Pendant toute la durée de l'éclipse, les horloges des caméscopes nous donnent un enregistrement détaillé qui semble confirmer la présence de plusieurs engins. Le docteur Trujillo filme cette image au-dessus d'Oaxaca à 13h29, tandis qu'à 400 km au nord-ouest, au-dessus de Puebla, Rafael González enregistre ces images à 13h29. Au même moment, David Amilia prend ses images au-dessus de la ville de Mexico. Les horloges des caméscopes enregistrent également l'observation la plus longue. Eric Aguilar, 16 ans, enregistre une observation de 21 minutes depuis le toit de la maison familiale à Mexico. Au début, l'horloge indique 13h04. Treize heures quatorze, treize heures dix-sept, treize heures vingt et treize heures vingt-cinq à la fin. Cela fait en tout 21 minutes pendant lesquelles l'OVNI reste visible. L'éclipse solaire ne dure que 6 minutes 54 secondes, ce qui signifie que l'objet est visible en plein soleil pendant 14 minutes, ce qui élimine la planète Vénus, explication avancée par certains. Pour chercher à comprendre, nous avons soumis la séquence Aragin aux analyses d'un laboratoire spécialisé. L'ordinateur Inovian est un appareil très puissant conçu pour examiner les bandes vidéo à l'état brut. Nous avons évité d'examiner les images agrandies numériquement dans les studios de Televisa pour éliminer toute possibilité d'artefacts électroniques. Nous nous sommes intéressés à la pellicule originale d'Aragin, qui ne dure que 8 secondes. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons chargé la séquence Aragin dans l'Inovian PTS-3. Là-haut se trouvent 6 images prises sur la bande. Elles apparaissent ici en bas, agrandies 5 fois. Des images de 1 à 6 se trouvent ici en bas. Et comme nous sommes très loin de la caméra, prenons un de ceux-ci et faisons un zoom. Nous pouvons agrandir jusqu'à 8 fois. Nous faisons un zoom sur ce qui nous intéresse et avec un clic, nous voyons l'agrandissement 8 fois. Il n'y a que 4 lignes de balayage qui rencontrent le capteur image de la caméra. Ces 4 lignes ici. C'est tout ce qu'il a pris. Ici, ceci semble être très noir, ce qui n'est pas normal. Cela nous montre que cet objet était illuminé dans cette direction-là. Ici se trouve une ombre. Le mieux que l'on puisse trouver, c'est une sorte d'objet en forme de palette de hockey. Ainsi, l'examen de ces images sur Inovian élimine la thèse de Vénus. L'objet enregistré sur la bande est allongé, ressemblant un peu à une palette de hockey. Il n'est pas sphérique.
Vénus ne donnerait pas une image pixel analogue étant de forme sphérique. Et les nuages ne seraient pas passés derrière la planète. Ici, il est clair que les nuages passent derrière cet ovni. Et celui-ci, et celui-là, le tout filmé pendant la grande éclipse du Soleil. Pendant des mois, sur les ondes mexicaines, on ne parle plus que des ovnis. Le débat est animé. Des joutes intellectuelles se déroulent au cours des programmes de télévision et de radio de grande écoute. Pour certains, l'ère de la conscience et des lumières est arrivée, alors que les détracteurs professionnels prétendent que ces apparitions mystérieuses ne sont que de simples objets de forme un peu anormale. Tandis que se déroule le débat sur l'existence des extraterrestres, un nouveau témoin se présente. Un prêtre catholique, le père Manuel Ferrer, qui prend ses images vidéo au cours de l'éclipse du Soleil. Je pense qu'il y a de nombreuses possibilités. Je suis sorti pour photographier cet arbre contre la lumière. Et puis je vois cette lumière apparaître au-dessus de la montagne, là-bas. Ce n'est pas une lumière ordinaire. Elle est très bleue et très intense. Je n'ai jamais eu peur de ce genre de choses, bien au contraire. Ce que j'ai pu observer était merveilleux. Un jour, un philosophe a dit « Si Dieu se trouve en dehors de la vérité, je resterai du côté de la vérité. » Je pense donc qu'il n'y a aucune contradiction. À 160 km au sud, sur le plateau désertique proche de la ville d'Atlixco, on voit et on filme assez régulièrement des ovnis. Des images étranges ont été prises dans la région du mont Popocatépetl, ce volcan majestueux que l'on appelle la Sentinelle endormie. La population mexicaine se passionne pour ces spectacles aériens se déroulant chaque nuit. La deuxième vague a commencé. La nuit du 1er août 1991, un dentiste d'Atlixco peut suivre un objet illuminé se déplacer silencieusement au-dessus de la ville. Après agrandissement, la séquence montre ce qui semble être une formation d'OVNI. L'activité intense se poursuit au-dessus de Metepec, d'Atlixco, et au-dessus de Puebla. Le ciel nocturne de Puebla est devenu un point de ralliement pour les ovnis. Dans cette séquence spectaculaire, on voit deux objets en train de se rapprocher. Au même moment, deux autres objets arrivent. Il y a maintenant quatre objets inconnus qui semblent se regrouper. Puis, tous disparaissent. Lorsque le phénomène réapparaît, les quatre ovnis se retrouvent en formation serrée, accélèrent et prennent de l'altitude. Virant à gauche au-dessus d'Atlixco, ils disparaissent dans la nuit au-dessus de la Zona Volcanica, en direction de l'est, vers le golfe du Mexique. On signale de nombreuses observations dans l'état de Veracruz. Dans la ville de Poza Rica, une vingtaine d'écoliers décrivent artistiquement l'OVNI qu'ils ont vu volant à basse altitude. Expérience confirmée par leurs professeurs. D'autres témoins aperçoivent d'étranges lumières. D'autres encore signalent la présence d'objets près du sol. Puis, les manifestations d'activité des ovnis prennent un tour inattendu. On voit dans les champs de canne à sucre des zones brûlées et aplaties. Il s'agit des premiers crop circles mexicains. D'autres témoins signalent la présence d'objets étranges survolant les états de Tabasco, Hidalgo, Taxalca, Puebla, Mexico, District fédéral et Veracruz.
Les villes les plus concernées par cette activité sont Atlixco, Metepec, Puebla, Mexico, Pachuca, Poza Rica, Veracruz, Acayucan, Cárdenas, Tepoztlán. Des millions de personnes au centre du Mexique voient des objets volants non identifiés. Il s'agit aussi de la région où se trouve le plus grand nombre de volcans et de zones sismiques actives dans le pays. S'agit-il d'une coïncidence que cette bande de territoire se trouve aussi sur le parcours de l'éclipse totale du Soleil du 11 juillet 1991 ? Le 16 septembre de chaque année, l'anniversaire de l'indépendance du Mexique est une fête nationale avec défilés militaires et démonstrations en vol d'hélicoptères et d'avions à réaction des forces aériennes. Alors qu'il filme tout cela au caméscope, Vicente Sanchez enregistre également la présence d'un objet non identifié de forme circulaire pénétrant dans la zone depuis la droite. Tandis que les 24 avions quittent la scène, l'OVNI commence à monter lentement dans les airs. Quelques instants plus tard, 5 avions militaires quittent leur formation et prennent l'intrus en chasse, lequel accélère en laissant loin derrière lui les pilotes abasourdis. L'agrandissement de l'image fait apparaître clairement la forme circulaire de l'engin qui ressemble beaucoup à ceux photographiés par le docteur Pérez et le commandant T. Cruz. Pour éliminer la possibilité d'un ballon sonde météorologique qui se serait égaré, José Reyes, du service météorologique de la ville de Mexico, accepte de lâcher un ballon dans des conditions contrôlées devant les caméras. Vu sa dimension, sa forme et sa rotation, est-il possible que l'objet non identifié soit un ballon sonde ? Un seul ballon a été lâché le 16 septembre à 6 heures du matin. Le défilé militaire se déroula l'après-midi. En septembre et en octobre, l'espace aérien du Mexique est de plus en plus encombré d'objets volants non identifiés, qui semblent étrangement attirés les uns vers les autres. En l'espace d'une semaine, montrant ce qu'ils savent faire, ils font des passages en rase-motte entre les tours de la plus grande ville du monde. De jour comme de nuit. Le 19 septembre, la station de télévision de Puebla, Super Channel 3, est submergée d'appels téléphoniques signalant la présence d'un objet au-dessus de la ville. La lumière clignotante très vive attire l'attention de milliers d'habitants de la ville, créant des embouteillages énormes autour de la station de télévision, qui décide d'interrompre toutes les émissions pour commenter l'événement en direct. À partir du 2 novembre, il est possible d'enregistrer chaque nuit les vols des ovnis. Aucune rémission. Le 9 novembre, un objet non identifié est filmé en vidéo par un jeune étudiant, Angel Cruz. Ce nouvel engin semble tourner sur son axe dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, tout en traversant tranquillement le ciel de la ville de Mexico, avant de disparaître derrière un bâtiment d'habitation. L'objet ressemble à celui qui fut filmé au-dessus de Tepoztlán par Carlos Diaz. Sur écran double et agrandissement,
nous pouvons comparer les objets qui semblent identiques. Vers la fin février, l'activité OVNI reprend dans la zone Volcanica, au-dessus des villes assiégées d'Atlitsko et de Metepec. La station de radio XHVP assure la centralisation des observations d'OVNI qui deviennent de plus en plus nombreuses. Souvent, les observations proviennent des alentours d'une montagne en forme de pyramide appelée Teteolotitla, le lieu cher au cœur des dieux. Le directeur de la station signale qu'on constate que 90% de la population a vu un OVNI et que les 10% restants en connaissent l'existence. Il est fréquent que les observations d'OVNI et les photographies fassent la une des journaux. Dans cette ville peuplée de plus de 100 000 habitants, l'intensité de l'activité OVNI est telle dans le ciel d'Atlitsko qu'elle déclenche la première conférence de presse portant sur les OVNI donnée officiellement par un élu mexicain. En réponse à une question sur la position du gouvernement mexicain sur les OVNI, il répond. Ni le gouvernement ni les autorités militaires ne se sentent menacés par les ovnis. Nous ne savons pas qui ils sont, mais ils existent. Et comme tout le monde, nous sommes remplis de curiosité. Et les ovnis aussi. Ils semblent extraordinairement fascinés par les pylônes de transmission, comme on le voit dans cette séquence filmée par M. Del Callejo depuis le toit de son immeuble dominant la ville de Mexico. David Froning, expert en matière aérospatiale, commente l'attirance que semblent éprouver les visiteurs pour les pylônes de transmission. Nous, terriens, au cours de nos explorations planétaires, nous nous intéressons à tout ce qui concerne l'énergie émise. Nous pouvons donc imaginer que d'autres explorateurs s'intéressent aux ondes hertziennes, même très simples, émises par nos émetteurs radio. C'est d'ailleurs un avantage de pouvoir se rapprocher parce que le signal devient beaucoup plus fort. Et il est alors possible de mesurer avec beaucoup plus de précision des paramètres tels que la modulation d'amplitude et de fréquence ou le schéma des faisceaux lorsqu'on se trouve à l'intérieur du champ de l'antenne. On peut donc imaginer que quelqu'un, quelque part, complète sa banque de données en matière de signature électromagnétique des émetteurs situés sur la planète Terre. Tandis qu'il suit les mouvements de l'objet autour du pylône de la station de radio, M. Del Callejo est encore en train d'enregistrer quand un avion de ligne apparaît. Soudain, comme prévenu par la présence de l'avion, l'OVNI s'écarte. Un autre avion s'approche et l'OVNI s'écarte de nouveau. Cette possibilité de la présence à bord d'une intelligence capable de guider l'OVNI s'observe sur de nombreuses séquences vidéo. Pour examiner de près les prouesses aériennes des OVNI, une des séquences les plus spectaculaires a été chargée dans l'ordinateur Inovian. Il traverse l'écran, s'arrête subitement, recule, passe rapidement à travers les nuages, recule de nouveau. Ce genre de mouvement ne correspond absolument pas à celui d'un avion ni d'un hélicoptère. L'examen informatique fait ressortir un autre fait remarquable. Juste là, reculez. Quel est cet objet ici? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore regardé. On va faire un zoom et on verra. Bon Dieu, ça ressemble vraiment à une palette de hockey. Je crois que vous venez de découvrir un deuxième objet sur la même image. Revenez à l'image initiale et déplacez l'objet jusqu'à celui que nous venons d'examiner.
Passez à l'objet en dessous. Vous voyez cet objet-là? Essayez d'agrandir l'image. Il y a quelque chose là. Il y a donc un troisième objet. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Non seulement cet engin possède des moyens de se déplacer inconnus de la science moderne, mais sur cette séquence, il y a plusieurs objets. Et l'objet s'est dématérialisé en une fraction de seconde. Tout le monde l'a suivi en train de jouer à cache-cache dans les nuages. Et personne n'a remarqué ce qu'il y a ici en bas, alors qu'il s'agit certainement d'un autre objet, là où se trouve le curseur. Vous voyez comme il brille? Dans ce plan-là. Passons encore un plan, encore un, encore un. La luminosité change et l'objet disparaît au cours d'un seul plan. En 1/60 de seconde, il change d'intensité. Regardez, maintenant il s'éteint. On retrouve le même phénomène dans un seul plan de la séquence filmée à Super Channel 3. Lorsqu'on examine de près d'autres vidéos où l'on voit les pylônes de transmission, on découvre une autre anomalie très surprenante. Quelque chose là aussi apparaît et disparaît en 1/30 de seconde. On effectue les comparaisons entre l'OVNI à droite au-dessus de la tour et l'objet qui apparaît près du pylône. À notre étonnement, l'agrandissement numérique fait apparaître des similitudes entre les deux images en matière d'ombrés et de pixels. Au vu de cette incroyable faculté de pouvoir se matérialiser et disparaître en un instant, et au vu de leurs mouvements aériens extraordinaires, on peut se demander si les ovnis s'aperçoivent de l'attention dont ils sont l'objet et s'ils y réagissent. C'est certainement l'avis de ces trois adolescents. L'expérience qu'ils partagent par cette belle nuit de décembre semble confirmer cette possibilité. Carlos Diaz est le premier à remarquer un point lumineux qui semble non seulement les suivre, mais qui éclaire leur voiture d'un intense faisceau lumineux. Arrivés au domicile d'un parent, les trois adolescents se précipitent sur le toit pour installer une caméra sur trépied, tout en racontant l'incident à leur famille et aux amis. À la stupéfaction de tous ceux qui se trouvent sur le toit, l'objet semble réagir à des ordres, verbalisés et parfois uniquement pensés, comme on le voit sur ce film vidéo. Ainsi, lorsqu'Arturo demande à l'objet de tourner autour de deux étoiles signalées ici par les flèches rouges, l'objet s'exécute, et pas seulement une seule fois, mais à de nombreuses reprises. La réaction du public face à toute cette activité est résumée par quelqu'un qui a vu et filmé les ovnis, le docteur Rosas. Il est certain que les gens n'ont pas peur. L'aspect des ovnis ne les inquiète pas. Au fond, l'idée d'une vie extraterrestre et de la réalité des ovnis, c'est quelque chose qui leur donne de l'espoir. Quelqu'un d'autre estime que les ovnis ne nous veulent pas de mal. Le père Ferrer qui a pris ces images depuis le toit de sa petite église. Ces images sont remarquables du fait qu'elles constituent la troisième séquence vidéo enregistrée par le père Ferrer en 18 mois. Il n'est cependant pas le seul à avoir pu filmer les ovnis plusieurs fois. De nombreuses autres personnes ont pu filmer les ovnis plusieurs fois au caméscope. Cependant, la palme revient à M. Feria, qui a filmé des dizaines d'apparitions d'OVNI. Notamment cette séquence fascinante, enregistrée peu de temps après le défilé aérien des fêtes de l'indépendance en 1992. Contrairement au défilé de 1991, lorsque les OVNI sont apparus sous les avions, cet OVNI a attendu 10 minutes après leur passage avant de manifester sa présence.
Les ovnis apparus au-dessus du Mexique et suivis sur les écrans radars ont été classés en 7 types, en fonction de leur volume, de leur dimension et de leur masse. Le premier type est apparu pendant l'éclipse. Le deuxième a une forme d'ovni classique. Le troisième est une sphère qui semble comporter des ouvertures. Le quatrième ressemble à une toupie. Le cinquième est surnommé El Sombrero. Le sixième est triangulaire. Le septième semble être un objet lumineux se déplaçant rapidement. Et il y en a peut-être beaucoup d'autres. Mais ces classifications n'ont rien de particulier car de nombreux objets correspondant à cette classification ont été vus dans d'autres endroits de par le monde. Cependant, jusqu'à présent, on n'avait jamais filmé des ovnis de catégories différentes en même temps. Et puis, un après-midi d'automne, c'est arrivé. On voit d'abord deux sphères lumineuses. Ensuite, tandis qu'un objet sombre approche depuis la droite, la sphère lumineuse de gauche se met à descendre rapidement, permettant à l'objet sombre de passer entre les deux. Quinze minutes plus tard, les deux sphères lumineuses se trouvent presque à l'horizontale, alors qu'un objet sombre passe entre les deux. En utilisant la plus grande définition offerte par l'agrandissement numérique, on peut mieux distinguer ces ovnis. Un caméraman professionnel, Cuauhtémoc Alvarez, est en train de filmer une sphère lumineuse lorsqu'il enregistre un phénomène qu'on n'avait encore jamais vu. La séparation d'un objet en deux parties. En noir et blanc, on voit plus clairement la division se faire et l'objet inférieur tomber verticalement. Les images d'Alvarez sont remarquables. Mais on doit à messieurs Eckhart et Trujillo ce qui est sans doute l'image vidéo la plus spectaculaire des ovnis. Cela commence par une observation classique d'un objet unique, pour devenir rapidement une série d'événements extraordinaires. Le caméraman et son ami sont stupéfaits par ce qu'ils voient au point que les mots sont incapables de décrire leur observation. Ils n'ont jamais rien vu de pareil. Une sorte de conteneur transparent avec des objets circulaires massés à l'intérieur. Un objet clignotant apparaît sous le conteneur et attire l'attention du caméraman qui remarque le caractère très brillant de cette lumière clignotante. Au moment où le caméraman fait un zoom pour déterminer la distance, il aperçoit deux nouveaux engins. Il a maintenant trois engins dans son objectif. Monsieur Eckhart repère des mouvements en haut à droite et dirige sa caméra dans cette direction. Le bruit que l'on entend est celui du trépied. Il y a une grappe d'ovni en haut. Et trois en bas. Ils sont
Dejo la cámara sin mover. Le caméraman tremble d'émotion devant cet incroyable spectacle aérien. Et il y a de quoi. C'est la première fois que l'on enregistre au caméscope en plein jour une armada d'objets volants non identifiés au-dessus d'une grande ville. Observez bien comment les deux objets au-dessus de l'heure indiquée sur l'écran vont fusionner et réapparaître au nombre de 3. Notez également qu'ils s'attirent les uns les autres. Il semble qu'il y ait une vingtaine de ces objets sur la même image. Nous avons étudié un seul plan, celui lorsque le caméraman relève la caméra. Et nous avons compté 1, 2, 3, 4, 5 ovnis qui sont clairement visibles sur cette image. Avec un zoom sur celui-ci, au milieu, nous retrouvons l'image de la palette de hockey. Celui du haut fournit un peu plus d'informations. Cet objet recouvre plus de 4 lignes de balayage sur la caméra initiale. Nous voyons au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 9 et 10 objets là-haut. Prenons cette zone-ci et retirons la couleur. Cela augmente le contraste. Maintenant, nous pouvons voir si nous trouvons autre chose. Il s'agit d'un ciel d'apparence normale. Autour de cet objet-ci, il ne semble pas y avoir de perturbation atmosphérique, ce qui serait le cas avec un hélicoptère. Cet objet semble immobile. On sait qu'il n'émet pas beaucoup de chaleur, parce que l'analyse informatique permet de voir assez clairement les ondes de chaleur. Ces objets semblent faire des allers-retours. S'il s'agissait d'un lâcher de 4 ballons blancs, on s'attendrait à ce que tous les 4 présentent le même aspect. On ne voit pas du tout comment 4 ballons se trouveraient dans le ciel avec l'un d'entre eux présentant des contrastes différents des autres, à moins que celui-ci ne se trouve très éloigné. Mais la dimension de cet objet est identique aux autres. Si c'était des ballons, il y aurait un autre problème. Leur remontée dans l'air serait verticale et il n'y aurait pas de changement de position relative au cours de leur ascension. Or, si nous examinons la vidéo, plusieurs de ces objets semblent monter et d'autres descendre. Certains ne bougent pas du tout. Alors si celui-ci monte et celui-là se met à bouger horizontalement puis s'arrête, il est exclu qu'il s'agisse de ballons. C'est bientôt le nouvel an et les ovnis continuent à défiler dans le ciel du Mexique. Au sol ou sur les toits, brandissant leur caméscope, tous les habitants du Mexique continuent à observer les ovnis les plus extraordinaires de l'histoire. Le jour de l'an, les ovnis réapparaissent.
Les premiers sont observés vers 14 heures. Le suspense s'intensifie lorsqu'on enregistre la présence de deux autres ovnis au-dessus de la ville à 15h51 et à 17h21. L'excitation est alors à son comble. Les gens s'arrêtent dans la rue pour regarder le ciel. Les voitures s'arrêtent sur l'Avenida Reforma, la principale artère de la ville, et les automobilistes se mettent à abandonner leurs véhicules pour regarder les ovnis survolant la ville. Même les policiers sont médusés. Dans la foule, certains témoins ne veulent pas y croire. D'autres manifestent une sorte de terreur religieuse. À 18h, les ovnis sont encore visibles. Ils vont rester dans le ciel de Mexico pendant encore 4 heures. Le lendemain, les principaux journaux publient des articles détaillés. Et des photos fascinantes. Insistant sur la manière dont les ovnis ont salué le nouvel an dans le ciel de la capitale du Mexique. En ce jour de Nouvel An, le Mexique est sorti de l'âge de l'innocence. Aujourd'hui, les habitants du Mexique sont confrontés aux mêmes problèmes que les États-Unis au cours de l'été 1952. Rappelez-vous, en juillet de cette année-là, 14 objets volants non identifiés firent des passages en rase-motte au-dessus de la capitale fédérale, Washington. Repérés par radar, les ovnis furent poursuivis par les avions de chasse. Mais chaque fois que les avions entraient dans la zone de vol des ovnis, ceux-ci disparaissaient des écrans radars de la tour de contrôle. Puis ils réapparaissaient. C'était un étrange jeu de cache-cache. La Maison-Blanche et le Pentagone furent submergés d'appels téléphoniques. L'incident fit la une des grands journaux. Devant les demandes répétées des médias et la pression croissante de l'opinion, le chef d'état-major de l'armée donna une conférence de presse au Pentagone. L'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les États-Unis. Conformément à cette obligation, depuis 1947, nous avons reçu et analysé 1000 à 2000 notifications. Un certain nombre de ces comptes rendus représentent le témoignage d'observateurs crédibles concernant des choses relativement peu croyables. Ce sont ces observations-là que nous cherchons à expliquer actuellement. Jusqu'à présent, nous ne sommes parvenus qu'à une seule conclusion ferme concernant ces dernières observations. On ne trouve aucun élément permettant de conclure à une menace contre les États-Unis. C'était la première et la dernière conférence de presse officielle donnée par un représentant du gouvernement des États-Unis sur la question des objets volants non identifiés. Comme à Washington en 1952,
Le ciel de la capitale du Mexique et des régions avoisinantes a été abondamment survolé par des engins non identifiés. Jusqu'à ce jour, le gouvernement et les citoyens du Mexique n'ont pas jugé nécessaire d'attaquer ceux qu'ils ne comprennent pas. Nous pouvons espérer que dans l'avenir, ils continueront à faire preuve d'autant de courage et d'ouverture d'esprit.